Je suis Frédéric Schnur et je suis président de l'association Grand Est Numérique qui organise l'événement Gênes. Sixième édition de cet événement avec un lieu différent. Un lieu différent, on était au centre des conventions à Metz-Grigy et pour Gênes cette année, on investit le nouveau centre des congrès Robert Schuman de Metz au secteur Gare pour cette première édition et dans le cadre d'ailleurs de la séquence inaugurale du lieu, puisqu'on sera le premier événement business qui sera organisé à cet endroit-là. Alors, qu'est-ce qui va changer par rapport à l'année dernière ? Alors, c'est plus une évolution que du changement, mais ce qui évolue, c'est déjà le nombre de participants attendus, 1500 l'année dernière, 3000 cette année, en sachant qu'on a déjà vendu 1500 entrées au moment où je vous parle. C'est le nombre de têtes d'affiches qui passent de 2 ou 3 à 8, voire 9, et peut-être encore une autre qui reste à confirmer. C'est en termes de cible, c'est beaucoup plus de contenu qui est dirigé sur la transition digitale, c'est-à-dire la totalité des contenus est ouverte à tous les professionnels non numériques, pour les faire justement progresser, comprendre et prendre des décisions sur leur propre activité. Des invités prestigieux. Les invités prestigieux, on en compte plein, il y en aura énormément. Je veux en extraire un certain nombre. Il y a Bertrand Piccard, Solar Impulse. C'est quand même quelqu'un qui est une dimension internationale tournée sur l'innovation. Il va y avoir des personnes comme Maria Gabriel, qui est la commissaire européenne au numérique. Il y en a que 29 en Europe, c'est quelque chose de très très conséquent, une venue comme ça. On va trouver Laurent Alexandre, un ponte dans l'intelligence artificielle, avec un discours très punchy, très intéressant et qui permet vraiment de saisir son assistance pour comprendre ce qui est en train de se passer. On va avoir des personnes comme Christophe Galfard, qui est le pupitre de Stephen Hawking. Stephen Hawking, c'est le ponte en ce qui concerne la totalité de l'évolution technologique de l'humanité, qui est décédé récemment, mais son pupille français sera ici. On va avoir des personnes comme Corben, qu'on appelle entre nous le chef de l'Internet, qui est quelqu'un qui est très, 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 qui prend au trip quand il vous parle. Ainsi qu'Oussama de The Family, qui, pareil, va parler à des startups ou va expliquer aux entreprises comment faire une start-up depuis sa propre entreprise qui n'en est pas forcément une. Des événements dans l'événement. Des événements dans l'événement, il y en aura plein. Bien entendu, il y a toutes ces prises de parole. Bien entendu, il y a cette introduction avec une chose qu'on ne peut pas tout à fait révéler, mais on sait que l'inauguration avec les discours officiels va être quelque chose qu'il va falloir suivre et qui va, en tant que tel, constituer aussi probablement l'une des plus grosses, une plus forte concentration de décideurs politiques et économiques à un temps donné sur le jeudi matin, le jeudi 13 septembre au matin. Le numérique est vecteur d'emploi. Le numérique est plus que vecteur d'emploi, puisqu'aujourd'hui, la totalité des recrutements nécessite un certain niveau numérique, et ces niveaux vont évoluer, bien entendu, voire même exploser, ou devenir prépondérants ou requis. Donc effectivement, c'est important de savoir vers quelle technologie on se dirige, quels sont les profils dont on aura besoin, qu'est-ce qu'on doit mettre en œuvre soi-même pour faire évoluer. Le numérique, de toute façon, nous touche déjà tous. Des fois, on le sait, des fois, on le sait pas. Des fois, on le sait à nos dépens. On parle des données. Il y aura notamment des contenus qui seront distribués pour savoir comment on gère ces données ici. Enfin voilà, c'est vraiment quelque chose, c'est un enjeu majeur, c'est un défi sociétal. Et Gênes, là-dedans, essaie d'apporter le maximum de réponses. D'où le partenariat avec le Pôle emploi. D'où le partenariat avec Pôle emploi, où là, on invite 500 demandeurs d'emploi ou chercheurs d'emploi, gratuitement, bien entendu, à venir pendant les deux jours, à la rencontre, bien entendu, des exposants, mais aussi à la rencontre des contenus, à la rencontre de ce qui fait qu'ils vont eux-mêmes se placer, faire des choix et aller se présenter. Alors, c'est à la fois des entreprises du numérique, mais d'autres entreprises qui viennent, qui seront présentes. Il y a des entreprises de l'industrie, il y a des entreprises de la communication, il y a des entreprises du marketing, il y a des entreprises qui sont là pour proposer des solutions logicielles. Ça, c'est pour les exposants et pour les visiteurs. J'aurais tendance à dire que c'est vraiment la totalité des typologies de profils, collectivités et professionnels privés qui seront présents pendant ces deux jours. Alors, on a encapsulé à l'intérieur de cet événement quelque chose qui nous tient à cœur, c'est les jeunes et les orientations des jeunes. On a invité 1200 collégiens et lycéens à venir pour un temps de rencontre avec Bertrand Piccard. Pendant trois quarts d'heure, ils vont pouvoir échanger avec ce personnage qui va leur expliquer un petit peu qu'est-ce qui s'est passé pour lui. C'est-à-dire, tout le monde lui disait ça ne marchera jamais, il a fait le tour de la Terre
en vol sans une goutte d'essence. Et ça a été quelque chose qui change le monde. Et ils vont pouvoir toucher du doigt cette personne et aussi comprendre que dans le numérique, il y a aussi de l'industrie, il y a aussi de l'environnement. Et pour nous, c'est important de leur transmettre ça. C'est les générations futures et Gênes là-dedans s'inscrit, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, dans la volonté de transmettre. Bertrand Piccard organise également un concours. Alors, il organise un concours qui s'appelle 1000 projets pour la planète et nous aurons les membres du jury de ce concours qui vont venir écouter des projets. Alors, c'est pas lié, hein, il n'y a pas de lien direct, mais par contre, si un projet est détecté intéressant par des startups qui vont venir proposer ça, eh ben, il pourra être éventuellement intégré dans ce concept mondial qui est 1000 projets pour la planète, qui est porté par la fondation de Bertrand Piccard et peut-être demain, qui sait, avoir un champion régional qui va s'imposer dans le monde parce qu'à un moment, il aura bénéficié de la fenêtre de tir et qu'il aura trouvé peut-être cette fenêtre de tir à Gênes. Si on devait donner une définition de Gênes, ça serait quoi ? La définition de Gênes, c'est le premier événement business et numérique de la rentrée de septembre en France, tourné pour tous les professionnels, à la fois sur les tendances, ce qui n'est plus, ce qui se fait et ce qui devrait arriver, et en même temps sur la transition digitale, des réponses à des questions que tous les professionnels se posent pour pouvoir y aller, accélérer, et transformer ça en monnaie sonnante et trébuchante.